All right, mate, you can go whenever you want. Bonjour, bienvenue à tous au Salon Düsseldorf. Je suis très heureux de vous accueillir sur le stand Axopar World 4 pour la première présentation mondiale de l'Axopar 37 Spider. Donc, c'est une version open. Donc, on remarquera qu'on est équipé avec le débit 2x300 chevaux, ce qui nous confère une vitesse de pointe d'environ 43 nœuds. Parce qu'il y a sur le nouveau modèle, donc le 37 Révolution Spider, beaucoup d'éléments ont été changés. En l'occurrence, les plateformes arrière ont été agrandies et également elles ont été rajoutées avec un liston de protection en partie basse. Donc ça, c'est très très bien vu. On remarquera aussi le liston sur le côté qui a été aussi agrandi en partie basse ici. Donc ça, c'est très bien fait. Ensuite, on a des grands coffres de rangement qui ont été complètement redessinés, qui sont à présent en fibre de verre. Dans lequel on pourra ranger des bouts, du matériel. Donc ça, c'est aussi très bien vu avec un drain d'évacuation en partie basse. On retrouvera la douchette extérieure ici. Donc ça, c'est très bien vu aussi. C'est le même emplacement que par le passé. Nouveauté sur la partie arrière, donc on pourra avoir soit la version bain de soleil avec la cabine arrière, soit une version avec un garage dans lequel on pourra stocker du matériel et bain de soleil. Une troisième version pour avoir le meuble bar classique comme on a sur les autres modèles. Donc ça, c'est aussi très bien vu au niveau du rangement sur la partie arrière. Ensuite, on retrouvera les quatre sièges sur la partie cockpit, donc qui ont été entièrement redessinés. Donc ça, c'est très joli au niveau du design. Une très belle table aussi de cockpit en fibre de verre. On pourra accueillir 8 personnes. Les 3 sièges tournent bien entendu. Donc ça, c'est très très bien. C'est pratique. La table est de très belle facture. On remarquera aussi également qu'on peut avoir un taux solaire complet. On pourra donc nous protéger du soleil lorsqu'on est au mouillage. Voilà. Ensuite, les réfrigérateurs à tiroir ont été déplacés. Donc par le passé, ils étaient ici. Maintenant, on les a mis sur les côtés, donc c'est beaucoup plus pratique. Aussi, par rapport à la demande des clients, aujourd'hui, on a des marches intégrées de chaque côté. Donc, on pourra débarquer du bateau sur le côté ou embarquer sur un plus grand bateau. Donc, ça, c'est très bien vu. Le chantier a bien écouté les demandes des clients. Donc, ça, c'est super. Ensuite, au niveau du poste de pilotage, donc on a modifié l'ouverture de la porte de la cabine. Et également, on a baissé au niveau du sol. Donc, on est beaucoup moins bas que par le passé. Avec un repose-pied également qui a été entièrement redessiné. Au niveau du tableau de bord, donc en option, on peut avoir le glass cockpit de chez Simrad. Donc il va avoir 2 écrans 12 pouces, tout est flash deck. Donc ça, c'est très très joli au niveau du design. Le tableau de bord a été entièrement revu. Donc c'est très pur, très 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 design, très pratique. Commande de propulseur, des flashs, donc ça c'est super. Les commandes pour l'accélération. Les sièges aussi, on remarquera qu'ils sont plus larges avec le logo Axopar et un tout nouveau design aussi, ça c'est très très bien. Ensuite, alors au niveau de la cabine, donc plusieurs options. Dans cette version là, on a le toilette qui est pas proposé. On peut l'avoir en option et dans ce cas de figure, on aura une séparation avec une douche sur le côté. Mais dans cette version là, qui est proposée, on n'a pas la version avec le toilette. Au niveau de la cabine, on a plus de volume au niveau de la hauteur. Le tableau électrique a été déplacé pour un accès plus facile. En option, le chantier propose deux portes qui s'ouvrent. Donc ça, c'est pas mal parce que ça permet d'avoir un accès direct sur la passe avant. Et puis ça permet également de pouvoir rester dans la cabine. Et en ouvrant les portes, ça donne un autre espace de vie sans pour autant être enfermé. Voilà, la qualité des tissus aussi a été revue. C'est assez joli, c'est bien fait. Maintenant, on va accéder donc à l'extérieur. Sur la partie avant, donc on a une banquette ici. Donc cette dernière aussi, on propose en option un bain de soleil à l'avant.
qui sera proposé donc dans le prolongement de la scie qu'on a aujourd'hui. Dans cette configuration-là, on est sur une banquette. On a la possibilité de mettre une table sur la partie avant, on marquera le pli. On a également un coussin sur la partie avant, donc ça permettra d'avoir un nouvel espace de vie. Donc ça, c'est assez bien vu. On remarquera les balcons inox aussi au niveau du design ont été modifiés et un peu plus épais sur la partie avant. Donc ça, c'est aussi très bien vu. Le gain d'eau électrique aujourd'hui est proposé en option par le chantier, donc avec une encre ultramarine. Donc ça, c'est aussi très bien. C'était une demande que nous avions faite auprès du chantier, donc ça a été pris en considération. Donc ça, c'est vraiment bien vu. Le design du bateau est vraiment très beau. Le dessin est magnifique. Je pense qu'ils ont fait une très belle réussite. La coque a été rallongée. Ils ont optimisé les consommations, c'est-à-dire qu'on a réduit la consommation et on a optimisé. Donc on a augmenté les performances avec la même motorisation, avec une vitesse de déjaugeage qui est plus faible et une position meilleure. Donc, par rapport à l'ancien modèle, il y a environ 320 points qui ont été modifiés, ce qui est très bien. Voilà. Après, pour plus d'informations, écoutez, n'hésitez pas à nous contacter. Je vous souhaite à tous une très bonne journée. À bientôt. Merci beaucoup.